Nous nous trouvons ici dans la nouvelle réception de Felco qui a été inaugurée pour le 75e anniversaire de la société. Cette réception est attenante au bâtiment qui a vu les premiers sécateurs être produits en 1945. Quand on regarde l'histoire de Felco et qu'on constate par exemple qu'en 1985, le premier élagueur a été développé au sein de cette société, j'étais moi-même en apprentissage de mécanicien. Et puis j'ai limé ce cube que j'ai pris pour l'occasion, qui est un point de ralliement entre toutes les personnes qui font un apprentissage dans les métiers de la mécanique. Ce pays a ceci de formidable, c'est qu'il comprend toujours l'importance de l'apprentissage. Je m'appelle David, je suis en troisième année d'apprentissage chez Felco en tant que mécanicien de production. J'ai choisi Felco parce que je trouve que c'est une entreprise de confiance avec laquelle on a un objectif et un but à atteindre. J'ai commencé mon apprentissage de mécanicien de production au centre d'apprentissage de l'Arc Jurassien où j'ai été formé pendant un an et demi. J'ai appris les techniques de base et ensuite chez Felco pour finir mon année d'apprentissage. Ce qui me plaît dans le métier de mécanicien de production, c'est de programmer, régler, commencer de rien pour finir avec une pièce dans les mains utilisable, précise, avec de la qualité. À l'avenir, j'envisage de me spécialiser en tant que technicien ou ingénieur. Nous avons quatre filières d'apprentissage chez Felco. La première filière est en fait un polymécanicien, apprentissage d'en fait 4 ans. La deuxième filière est en fait mécanicien de production sur 3 ans et une attestation fédérale après praticien, enfin un AFP, qui est sur 2 ans. Nous avons aussi une filière en informatique. Je m'appelle Maxime Gambarini, j'ai 26 ans. Je suis chef de projet digital chez VNV et j'ai fait mon apprentissage d'informaticien chez Felco. Ce qui m'a plu durant mon apprentissage chez Felco, c'est que j'ai pu finir mon CFC en entreprise, donc acquérir des connaissances professionnelles. Et j'ai notamment eu la chance de continuer après mon apprentissage chez Felco en tant qu'informaticien pendant une année et ensuite pendant 2 ans au marketing. Aujourd'hui, j'envisage mon avenir dans le monde du e-commerce. J'aurai notamment l'opportunité de travailler avec Felco dans l'ouverture de nouvelles boutiques en ligne pour l'Europe. Comme entrepreneur, il est important de privilégier cette filière de l'apprentissage. Chez Felco, nous privilégions ces filières qui sont ouvertes au fur et à mesure des besoins. Nous avons formé plusieurs centaines d'apprentis durant toute notre histoire et nous allons continuer à favoriser cette filière pour le bien de l'économie régionale et nationale.